Bien, 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 bien. Pourquoi ma connexion n'est pas stable? Qu'est-ce que tu lui as fait? Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon portable qui fait les mises à jour, ça va mal aller. Le wifi. Et là, c'était mon portable. Bon. On va reprendre ce petit live sur The Evil Within. En mode détente, parce que je suis toujours parmi de mon rhume. Et que j'ai un peu de mal à dormir en ce moment. C'est l'excitation. Amazon m'a envoyé un message en me disant que mon petit Zelda avait été payé. Il veut dire qu'il me l'a envoyé. Donc il y a peut-être des chances que je le reçoive jeudi. Voire demain. Mais j'y crois pas trop à demain. Puis faut surtout pas qu'il arrive demain parce que j'aurai pas le temps de finir The Evil Within. Ouh, le son s'est coupé. Ouf. Ah oui. Nous venions de finir le combat contre le gros avec C'est là que Leslie était traitée. la petite Elle venait tronçonneuse. ici pour se sentir en sécurité. Vous savez où on est? Mon frère est le directeur de cet hospice là-bas. Il nous aidera. Ça ne répond pas à ma question. Honnêtement, j'en sais rien. Si ça se trouve, je perds la tête et me n'être qu'une hallucination. Mais autant croire qu'il me reste une once de dignité. Je dois absolument protéger mon patient. Et en tant qu'inspecteur, vous devriez faire de même. J'espère que son frère est un peu moins con. J'ai vu quelque chose bouger. J'ai trop d'équipement. Qui fait que c'est un peu bourrin. Oh. Carreau aveuglant. Ok. Ah, c'était comme ça la discrétion. Mira a failli se faire tuer cet après-midi. Un suspect que l'on poursuivait lui a tiré dessus. Heureusement que j'étais là. Enfin, elle va s'en sortir. Quand je l'ai vue tout ensanglantée, j'ai cru que j'allais la perdre.
Sans même avoir pu lui avouer mes sentiments et quelque chose déchirer en moi. Je crois que c'est réciproque. Il n'y a plus que de l'amitié entre nous. Ah, il y a plus que de l'amitié. Mais moi aussi, hein, je suis fatigué. C'est interdit par le règlement. Et il faut que je lui dise ce que je ressens pour elle. J'espère qu'elle ne se moquera pas de moi. Comme c'est mignon. Suis vraiment désolé, j'ai encore mon rhume. C'est où l'infirmière? Elle était pas juste derrière moi? Docteur Valona, propriétaire de l'hospice. A retrouvé le patient disparu. Le directeur était mort d'inquiétude. Le patient dans soins psychiatriques disparu mardi, caché dans le photo du docteur. Volonté de tuer. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Oh non! Par là! Non! Oh non! Par là! Oh non, par là. Oh non, par là. Beaucoup de nouvelles admissions, mais pas un seul de sortie. Visiblement, ça va pas bien, non?
Tu y réfléchis plus tard. N'avez pas bonne mine. Faites attention à vous. Bon alors, lequel on ouvre? Je me demande si ça a vraiment une importance de les ouvrir dans un sens ou dans l'autre. Comment ça se fait que la caméra elle soit si proche de lui? Dans la tronche quoi. Thank you.
Qu'est-ce qu'il a, ce gosse? Dites-moi quand nous en serons débarrassés. Maintenant. Beau travail. Je comprends pas encore comment il est arrivé à me voir tout en me voyant pas, mais... Vraiment désolé, les amis. C'est passé ici. L'intérieur. On se calme. Doc, non. Valério. C'est moi. Le bon docteur est là. Voici mon frère Valério, le premier docteur de Leslie. Décortiqué. Exposer l'intérieur. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Ce qu'il a fait à Valério. C'est impossible. Oh, il y a un jeu de clé. Il ne peut pas être Vic. Oh putain. Un petit jumpscare qui fait plaisir.
Leslie. Ça venait de dehors. Oui. Oui. Gentil. Que je commence à être un peu tendu au niveau vie. Dire Leslie, ça venait de dehors, il peut pas être là. Ah, il y en a un ici. Salut Vongola! Comment tu vas? Eh bah bonne soirée! Elle est où la hache? Elle est pas une hache? Des fantômes maintenant. Ils ont eu Norman, ses appels à l'aide viennent de s'interrompre. Je ne reste pas cassé, je ne sais que je serai le prochain. Mon Twitter, c'était avec... C'était il y a longtemps en fait. Du coup, j'ai gardé le même Twitter. Je pourrais en recréer un, hein, mais je crois que ça me fatigue.
plutôt malsain tout ça. J'en ai qu'une, explosion. Descendu. Ce n'est pas le moment de rêvasser. Oui, tout plein des cadeaux. C'est jamais une bonne chose quand on commence à te donner trop de cadeaux dans un survival. Leslie! Au secours! Oh, Dieu soit loué! Le docteur Jimenez est là! Tu calmes! Attendez, j'entends quelque chose. Quelque chose? Calme-toi. Eh merde. Ça fait très peur. Doucement. Heureusement qu'il y avait un point de contrôle. Hein. Que sur 1000 points. Leslie! Au secours! Oh, Dieu soit loué! Le docteur Jimenez est là! Tu calmes! Attendez, Doc, j'entends quelque chose. Quelque chose? Calme-toi! C'est un vrai coupe-gorge ici. Est-ce qu'on peut trouver un lieu sûr? J'en doute fortement. Pas d'issue. Pas d'issue. Nous devons y aller. Par ici. Personne ne peut fuir. Personne ne peut fuir. Bizarre. Les escaliers ont disparu. Je commence à croire qu'on perd vraiment la tête. On perd 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 la tête. Mon Dieu. Non. Ruvik. C'est
bien toi. Mais vous êtes qui, vous? Non! N'y allez pas! Qu'est-ce que... Docteur? Leslie? Merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain, il y a un piège là. Un millième de point de vie de la mort. J'ai l'impression qu'on veut pas que je passe. Je suis en train de me suicider là.
Oh putain. Regardez dans 2 minutes, donc pas grand chose. Abîme intérieur. J'adore les mains sur la vitre. Quelqu'un tient vraiment à m'hospitaliser. Et... La mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'a attribué un nouveau partenaire. Et la bonne, c'est que Mira m'a dit oui. Et puis, ce n'est pas grave, Joseph est un excellent inspecteur et nous formons une bonne équipe. Les forces de l'ordre de Crimson City ont besoin de l'homme de sa trempe, et c'est un honneur de faire équipe avec lui. Mais j'ai parfois l'impression qu'on essaye de maintenir à flot un navire qui prend l'eau. Pour chaque crime résolu, 10 autres sont commis. La police de Crimson City n'est qu'un mince rempart protégeant la population des criminels. Et parfois, les derniers semblent être de plus en plus nombreux. Ouais, je sais, c'était pas tout à fait écrit ça, mais... Voilà. Nécessaire, mon cul, oui.
Je ne vous avais pas vu depuis longtemps. Eh si, il n'y a pas longtemps. Là, t'as pas reçu de nouveaux journaux. Pas de nouvelle affiche. Ah, si, y a un nouveau journal. Un tueur en série. Ce serait presque drôle que ce soit lui en fait. Ouais. Dommage. On peut pas être gagnant à tous les coups. Bon, je vais m'arrêter là en fait. Je vous attendais. Et à bientôt pour The Evil Within Part 3.